Les Marseillais, un candidat devient la star d'un nouveau projet Netflix. Ian Castronovo tente désormais de percer dans le monde redoutable du cinéma. Il semblerait qu'il y parvient petit à petit. Explication. Ian Castronovo vient tout juste de décrocher son premier rôle dans sur Netflix. S'il est un très bon acteur dans ses différentes émissions de télé-réalité, c'est au cinéma qu'il veut faire carrière. Sur Instagram, le 19 novembre dernier, il a partagé la bande-annonce du court-métrage intitulé Quiproquo. Il campe le premier rôle, celui de Derek Robb, un Français qui débarque à Los Angeles et qui est impliqué dans un trafic de drogue. Il faut dire que les abonnés d'Ilan sont plutôt fans de ce court-métrage. Sur les images, on constate également la présence de Sami Nasseri. On y est enfin. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Presque 2 ans se sont écoulés depuis ma première apparition au cinéma comme dans un rêve. Aujourd'hui, plus les jours passent, plus mon rêve se réalise. Nous sommes très fiers et heureux de vous présenter la bande-annonce de la suite de Hashtag Quiproquo que vous avez demandé, écrivez Ilan dans Légende. Nombreux sont ceux à avoir félicité Ilan en commentaire. Parmi les messages, il y avait notamment ceux de Maëva Guénam, Dylan Thierry, Sarah Martin ou encore Julien Berthe. Pour les impatients, il faudra encore attendre un peu pour découvrir le projet sur Netflix. Meghan Markle et le prince Harry vont produire des programmes pour Netflix volume 90% press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts raccourci clavier enable et disable de play pause space augmenter le volume diminuer le volume avancer reculer sous-titres activer désactiver plein écran sortir du mode plein écran désactiver le son activer le son m'avancer pour 109 prochaine vidéo Karine Ferry attaquée sur les réseaux sociaux 002.34 Facebook Twitter courriel LinkedIn lien https://www.public.fr/news/les-marseillais un candidat devient la star des un nouveau projet Netflix 1659564 point d'interrogation du source égale que copier intégré inférieur à iframe src égale /cdnvideo.public.fr/players/53znz8wzi29mychmt.html YDTH égale 640 height égale 360 frame bordé égale 0 scrolling égale auto, visage aux yeux complètement fermé, /iframe supérieur à copier automatique 180p 1080p 720p 480p 180 live 002.0001 2.0401 2.03 plus de vidéos 002.34 Karine Ferry attaquée sur les réseaux sociaux 012.05 Sophie Tapie. Elle annonce une mauvaise nouvelle. 002.57 Michael Schumacher. Des nouvelles qui font froid dans le dos. 002.57 Jade. La fille de Johnny dévoile un nouveau look. Les internautes n'aiment pas du tout. 012.05 Renault. Une photo du chanteur refait surface et crée le buzz. 012.04 Julien Doré étonne à nouveau son public avec cette nouvelle collaboration. 012.04 Le chanteur Slimane et son acolyte Vita ont décidé de quitter la France. 002.58 Jennifer dévoile enfin sa surprise. Fermez la rédac sponsorisé sponsorisé contenu sélectionné ma chaudière gratuite d'Ala. Enfin une loi qui finance le changement de votre vieille chaudière ma chaudière gratuite sponsorisé contenu sélectionné annulaire train de sketcher Jean-Jacques Goldman a tout plaqué. Ses proches nous expliquent enfin la véritable raison de son exil train de sketcher sponsorisé contenu sélectionné annulaire clé anochil de cette visière de protection transparente a envahi le monde. L'idée est géniale clé anochil de contenu sélectionné annulé sponsorisé contenu sélectionné isolation solidaire confinement à Dallas. Votre région paye l'isolation de votre maison. Isolation solidaire sponsorisé contenu sélectionné annulaire train de sketcher s'y installe un caméra dans sa chambre. Mais lorsqu'il voit pourquoi le chat le fixe toute la nuit,
Il appelle immédiatement les autorités strènes de sketcher sponsorisé contenu sélectionné annulaire Locksmithov vire le lieu où Rowan Atkinson vit à 65 ans et vraiment inattendu Locksmithov art sponsorisé contenu sélectionné annulé sponsorisé contenu sélectionné.